Bon matin, on est samedi, il est 8h45, puis je suis dans mon auto parce que je suis arrivée à mon travail, puis aujourd'hui je fais un 9h à 4h, puis je me suis vraiment dit que là, il fallait vraiment que je me force pour faire mes weekly vlogs, parce que je sais que vous aimez vraiment ça, puis j'ai réalisé que même si je fais pas tout le temps des choses super palpitantes, mais vous aimez quand même ça. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est... Mardi le 3 novembre 2015. Il est présentement 15h07. Merci, Marie-Kim. Heure du Québec. Oui, puis là, on est à Géal-Godin pour un projet. Parce qu'on aime trop Gégé. Exactement, puis c'était vraiment drôle parce que Marie-Kim est venue me chercher, comme dans le bon vieux temps, là, chez moi. Puis on a parlé dans l'auto, puis on marchait vers Gégé, puis on était comme... On était super nostalgiques. Nostalgiques. Puis là, Marie-Kim va présenter quelque chose comme elle présente dans chacun de mes vlogs. Tu sais, elle vous présente toujours genre une recette, un repas. De la soupe, ou alors comment je mets mes cubes de fromage dans ma soupe. Ou alors mon coffre à crayon, ou mon outfit du jour. Mon outfit. Je vais vous présenter ma lecture du moment. Et vas-y. En fait, c'est ma lecture depuis hier, parce que je lis toujours dans le métro en revenant d'école. Puis là, ben, j'ai oublié de me louer mon deuxième livre parce que je suis rendue à Mademoiselle Tic Tac tome 2. Parce que j'ai fini Mademoiselle Tic Tac tome 1. C'est quoi ça? C'est un livre vraiment génial que j'ai trouvé à la bibliothèque de Valleyfield. Valleyfield. Et puis là, ben, aujourd'hui, depuis hier, je lis le journal d'Aurélie Laflamme. Je pense que tout le monde a lu ça au moins une fois dans leur vie. Ben, si tu t'appelles Marie-Kim Ploutier, tu les as lu au moins 8 fois chaque dans ta vie. Ouais. Si vous aimeriez qu'on fasse une nouvelle vidéo, mais comme pas vlog, là, comme une vidéo challenge ou comme on faisait avant, là, on en a fait plein par exemple ensemble. J'ai même une playlist sur YouTube qui s'appelle Avec Marie-Kim. Ouais. On en a fait plein, là. On a fait genre le blindfold makeup challenge. Je sais pas comment ça s'appelle. Maquillage à la veille. Oui, on a fait ça. On a fait plein, là. En tout cas, fait que si vous avez des suggestions de vidéos, de challenges ou de... Hey, je peux encore rentrer dans ton téléphone en mettant mon doigt. Ouais, je sais. Marie-Kim est tellement intime avec moi que son empreinte digitale lui permet de rentrer dans mon téléphone cellulaire. Puis là, elle prend plein de Snapchat, comme toujours, dans ma story que vous allez voir. Va être rempli de sa face. Fait que là, dans mon clip précédent, vous avez vu que moi et Marie-Kim, on vloguait. C'était sûrement bizarre parce qu'il y avait full d'éclairage intense dans nos faces, puis ça avait peut-être pas l'air naturel. Mais c'est parce qu'on filmait une petite scène pour le documentaire que vous êtes déjà au courant. Donc on a une partie de l'équipe qui est ici. Allô? Allô? Qui sont en train de ranger l'équipement. Fait qu'on est revenu à GG pour ça en réalité pour ce projet-là. Ah, GG! C'est trop bizarre parce que vous vous rappelez, là, tous mes vlogs s'est passé dans cette salle-là ici. Puis on déconnait tellement souvent. Puis c'est ici qu'on jouait à Je n'ai jamais, puis à plein de jeux bizarres. Ouais. Fait que c'est ça. Oh, faut qu'on prenne une belle photo pour Instagram. Oh, fait tour dans le temps. Dans le tour. Le soleil dans la face, je suis aveuglée. Des bonnes chansons, mais elles sont pas de rap riche vraiment. Genre ça. Yo, yo, yo.
did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you. Hello, hello! Donc là, je continue mon vlog, sauf que je pense que ça fait comme une semaine, même une semaine et demie que j'ai comme pas vlogué. Je vais pas trop en parler, mais en gros, c'est juste des petits problèmes personnels. Ça va aller, donc je pense que ça explique un petit peu aussi mon absence côté YouTube, là, côté comme autant vidéos régulières que mes vlogs, parce que vous savez que j'aime vraiment ça vlogger, parce que vous aimez ça aussi, puis ça me fait vraiment plaisir de toujours voir vos beaux commentaires que vous me laissez. J'avais des classes ce matin, puis je suis retournée chez moi tantôt, là, je suis toute seule pour l'instant, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour souper. Puis pour vrai, là, genre, j'ai tellement, tellement hâte que la session se termine, parce que je suis plus capable. En gros, si vous avez regardé ma dernière Q&A que j'ai faite sur ma, ben, cette même chaîne-ci en réalité, je pense que c'était celle pour le mois d'octobre. Je vous ai annoncé que j'allais prendre une session off côté école, université, la prochaine session. Oui, oui, même si je viens juste de commencer ma première session. Ça fait quelques... ben un peu plus qu'un mois maintenant. Là, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Puis, tu sais, si vous me suivez sur Instagram, je pense que les textes que j'écris sous mes photos, ça l'explique un petit peu. Là, mais je suis vraiment dans une phase de ma vie où est-ce que je remets comme tout en question. Que j'ai vraiment, mais vraiment... ben, j'ai toujours eu la difficulté à prendre des décisions dans ma vie. Autant que ça soit aussi stupide que choisir un outfit le matin, autant que ça soit aussi important que comme faire un choix de carrière. J'aime pas prendre des décisions, puis ça m'angoisse vraiment, ça me donne anxiété un petit peu. Là, en ce moment, je suis en train de remettre toute ma vie en question. Je suis vraiment... pas que je suis perdue, pas que je sais pas quoi faire, mais il faut que je prenne... ben, il faut que je prenne une décision, puis je suis pas capable de les faire parce que j'ai peur de regretter de pas faire la bonne chose. Même si je sais qu'il faudrait pas que je pense comme ça, faut que je pense positivement, puis tout ça. Mais ça, c'est quelque chose que je travaille, là, mon petit côté, que je suis un petit peu négative des fois. Si vous me connaissez depuis très longtemps, je pense à mes amis, ou que vous êtes comme dans les premières abonnées qui me suivent sur ma chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours voulu aller en télé ou en radio, donc animé ou... travailler en télé, n'importe quoi, ça m'intéresse depuis toujours, sauf que c'est tellement un domaine qui est compétitif, puis c'est quand même difficile de rentrer là-dedans, puis tu sais, je sais que c'est vraiment exigeant aussi, mais j'ai réalisé que comme, à un moment donné, même si c'est difficile, c'est pas ça qui doit m'arrêter, parce que là, je suis vraiment dans une phase que j'étudie, puis j'ai l'impression de perdre mon temps, parce que j'aime pas ça, puis moi, c'est un de mes défauts en réalité. Quand j'aime pas quelque chose, je suis vraiment, mais vraiment pas motivée. Comme c'est vraiment pas bon en réalité, là, mais je suis juste pas motivée, puis je donne pas mon 100%, puis je sais que je donne pas, mais je suis pas capable de faire plus. J'ai décidé de prendre une session off, donc ça va être dans janvier à septembre en réalité à peu près. Je vais me consacrer à YouTube presque temps plein. C'est sûr que j'ai gardé mon emploi comme cosméticienne au Pharmaprix en même temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais pas juste faire YouTube, je vais devoir travailler aussi. Mais je vais y retourner en septembre, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un petit break que je prends. Mais Ellie Duquette, là, ici sur YouTube, elle a un peu confirmé mon choix parce qu'elle, elle a comme tout lâché. Elle étudie en droit, si je me trompe pas, là. Puis elle est rendue à ProMédia. Ça, c'est vraiment une école qui est privée à Montréal où est-ce qu'on peut devenir animatrice télé, radio ou annonceur de nouvelles ou quoi que ce soit. Puis c'est une école que, sincèrement, c'est pas juste à cause d'elle que je vous en parle, mais c'est une école que j'ai regardée, que je regarde depuis 2-3 ans environ, puis qu'à chaque année, je me dis que j'allais auditionner, puis je le fais jamais parce que je me dis « Oh, ça va m'amener à rien ». Sauf que... on dirait qu'elle m'a comme convaincue un petit peu, j'ai jasé avec elle, voir comment est-ce qu'elle aimait ses cours. Elle m'en a pas encore full gros parlé, mais j'ai rien à perdre d'essayer pour de vrai. Je suis juste rendue au stade de ma vie que je veux faire des trucs que j'aime. Je veux être bien avec moi-même, je veux être bien avec mes décisions, puis on dirait que c'est ça qui me manque pour être vraiment comme pleinement heureuse. Puis là, je me rends compte que mon sujet... mon dieu, je suis vraiment rendue deep là, dans ma conversation. J'ai fait un petit peu partie de ma famille, on dirait, puis je trouve ça important de vous mettre au courant. C'est sûr que je vous partage pas toute ma vie parce que, tu sais, ça reste des trucs privés des fois. Sauf que je voulais vous partager une petite inquiétude. Puis tu sais, je sais qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit sur Instagram ou par message privé sur ma page Facebook. Comme quoi, ils étaient un peu dans la même situation que moi, qui étaient en période de questionnement et tout. Puis je trouve que ça fait du bien d'en parler parce qu'on peut un peu, on peut comme s'aider puis se réconforter, s'encourager ensemble.
puis ça sert un petit peu à ça, une communauté YouTube selon moi. Fait que c'est ça, pour de vrai, j'ai aucune idée c'était quoi mes autres clips de vlogs que j'ai fait dans le passé, dans les semaines passées. Comme je vous dis, ça faisait vraiment longtemps, mais je vais mettre fin au vlog aujourd'hui. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Puis une autre annonce vite pour finir le vlog, je vous annonce officiellement que je vais faire le Vlogmas encore une fois cette année. Je pense que ça va être ma troisième année de le faire, si je ne me trompe pas. Puis vous étiez tellement, mais tellement beaucoup à suivre mon Vlogmas l'an passé que je me suis dit comme je pouvais pas manquer ça. Fait que c'est ça. Puis je suis aussi en période de magasinage pour une nouvelle caméra de vlog parce que je trouve que celle-là, là, genre incorrecte, là, mais j'aimerais ça avoir une meilleure qualité. Fait que je suis en train de magasiner ça, donc dans les prochaines semaines ou... Ouais, c'est ça, prochaine semaine, vous devriez avoir une meilleure qualité, je vous promets. Puis sinon, c'est ça, je vais vous dire à la prochaine. Je vous aime fort, 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 puis on se revoit très bientôt, j'espère. Donc à bientôt tout le monde!